Ok, allez, on est reparti sur le Serpente MTE. Bon, j'ai mis des lumières devant et derrière. Elles ont jamais pété celles-là. Ah ouais? Ah ouais. Tiennent le coup. J'ai mis des lumières devant et derrière. Ah ben non, elles y étaient. Alors, oh, il passe crème lui. Ah, il avale tout lui. Hein. Je vais me remettre là-haut. Ah, il faudrait que j'augmente un peu le punch. J'ai pas pu rattraper comme j'ai voulu. Oups. Oh mais à lui il vole, il s'envole. Et ouais, toi justement je disais que sur le mien il faudrait que je l'augmente parce que j'ai pas assez pas quand je suis en l'air. Ouais, ouais. Alors nous c'est pas vélo, c'est arbre. Les arbres ils traversent la route, faire attention ici. Olé, oh là là là. Il danse, il danse. Ah oui. Ouais, tu prends plus de vitesse et tu perds un peu en stabilité. Ouais, ouais, et du coup, j'ai l'impression de retrouver un peu la version quand t'as pas le bus derrière. Ah, bah, c'est la première version. Ouais, je suis pas assez. Hein. Pourtant, j'ai la pêche, mais pas assez pour en l'air. Pourtant, il est là depuis le début. Hein. Allez, on va essayer de rouler un peu ensemble. Ouais, j'arrive. Hop, trottoir. Bien. Descendre. Elle est plus stable quand même que le vitesse, il part moins du cul. Ouais, c'est bon, ça passe. Si monsieur l'agent. Si monsieur l'agent, ça passe à deux. Boum. Je t'envoie le cône sur la tête. Ouh. Ça craint. Tiens, non stress. Ah
quand même les deux types qui sont le plus souvent sur le toit qui roulent ensemble. Bah, c'est pour tester les carrosseries. Hop là. Ah, il passe crème les sauts celui-ci. Bye. Le salaud qui coupe la route. Bon allez, on s'échange les voitures. Alors déjà avec nos bagnoles c'est pas terrible, mais alors, attention. Alors faut pas que je regarde la mienne par contre. Parce que si j'avance et que je regarde le serpent, oh j'adore le comportement déjà quand t'accélères, le cul qui se baisse là. Ah ouais ouais. Ah ouais. Oui, oui, oui. Oh merde. Bah tiens. Mais c'est la voiture qui aime bien l'arbre en fait. Ouais ouais, le punch il est pas bien là. Là. Ah, il ballonne bien. Il faut y aller, les gars, il faut y aller. Il a du watt, c'est en vitesse. Hein. Ouais. Bah, j'aime bien le comportement routier en fait. Ouais, faut prendre les virages larges. Faut prendre des virages vachement larges en fait. Ah ouais, t'as baissé ton punch là? Ouais. Oh putain. J'aime bien le bruit des pneus. Oh. Ah merde, mais j'y arrive pas celle-là, pourtant je la prends doucement. Mais je dois me mettre une roue à chaque fois dans le... Je dois me mettre une roue entre les rampes. Oups. Oui, c'est bien. Ouais, ça fait desert truck en fait. Ouais, c'est magnifique, ouais. J'y vais tout doux. Hop, c'est bon. Ah, ça y est. Si on freine tous les deux. D'ici on s'arrête tous les deux pour laisser passer l'autre. Ça c'est le respect. Oui, une fois. D'habitude on se rentre dans la. Hein. On mettra que cette séquence. Par contre il tourne large quand ça glisse pas. Après, tu peux te laisser freiner, tu freines. Oui, c'est ça, il faut freiner. Et après, il faut contre-braquer, tu fais du drift. Là.
Allez, voilà. Là, je me bouffais l'herbe si je continuais. Oups. Ah bah bien. Bien. Ah, il ballonne. Oh. Tu t'entraînes à me viser parce que je suis pas là et... Ah mais il y a un petit succès sympa là. Je sais pas si avec le nez du Yukon ça va le faire. Ouais. Bah oui, transfert. Ouais. Ouais, mais le transfert, je l'ai pas fait exprès. Ah. Ah, c'est vraiment son terrain de prédé. Ouais. Le gravier là, c'est vraiment son terrain au Yukon. C'est fait pour. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'adore ça, c'est... Comment il se... Ah, comment il se baisse les fesses quand t'accélères, c'est... Alors Baboune, elle a essayé, c'est l'adopter. Oui, 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 bon, ça, de toute façon... Ah, c'est une sacrée machine. C'est comme le Moya, vend mieux, quoi. Ah, puis tu sais que les plastiques sont costauds et tout, donc c'est... Je suppose que les pièces détachées, c'est pas, ça doit pas être énorme non plus, c'est pas du... Ah non, c'est pas très cher. Ouais, c'est ça, ouais, donc c'est... Ouais. C'est à peu près tout 15 balles, en fait. Ah ouais. Ils se sont pas fait chier avec les calculs. La carreau, c'est 80 euros. Non, on est là, c'est... Le seul truc, c'est que j'ai pas réussi à avoir les autocollants d'origine. À la planche d'autocollants ? Ouais. Bon, après... Ouais, c'est un détail, hein. Quitte à refaire une carreau, autant changer les autocollants. On s'adapte, on s'adapte. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Ouais. Ça a combien de KV ton moteur? 1100 kV. Ouais. C'est un 4945. C'est la version chinoise. Je crois qu'avec la couture à 340, bon. Ça va, ça reste. J'ai essayé le moteur Léopard. Ah, ils ont des bons rendements. Moi, j'aime bien les Léopards. Qu'est-ce que j'ai dans mon 8SC? Ah, tu fais du donut, tu fais que ça. Ah bah tu m'étonnes.
tu pars un peu, tu joues doucement avec ta gâchette, c'est... Ah, tiens. Ouais, c'est ça. Ah mais j'ai pas compris pourquoi il s'est retourné en plus. Le carreau de la planète. Comme de la face, bah, personne, à part toi. Ah mais c'est la photo que tu m'as envoyée dans le noir là, avec les petits feux là. Les trucs phosphorescents là. Ouais, c'est ça rend super bien. J'ai deux grands porte-pièces cylindriques. Ouais. J'ai fait du planche de bois, clou. Oui, bah ouais. J'ai fait mes petits ronds et voilà. Oh merde. Attends, j'arrive. Peut-être, ouais, là-bas, derrière. Ah, quoi que. Si j'arrive à viser, parce que. Ça qui prend un peu d'élan. Ouais, cool. Même pas. Ah, j'ai cru que t'allais te mettre sur le dos après. Oups. Ouais, mais j'ai ralenti au bon moment. Elle est pas là. Ah, non. Pourtant, je le prends pas vite, hein, mais je suis catapulté du cul. Oups. Il y a un petit caillou là. Au début de la bosse là, ça a frotté un petit caillou dans la terre. J'ai pris mon virage un peu large, je crois. Ouais, je t'ai vu arriver en face, je pensais que j'allais te monter dessus. Ah, là, c'est bon. Ah non, je suis coincé là. Ah, c'est bon. C'est bon. Je la prends pas assez vite, c'est pas possible. Et c'est le même que tout à l'heure, hein. Il n'a pas bougé. Hein. Ah, c'est bien de changer de temps en temps. Où ça? Ah. Une autre bobosse. Hop là. C'est bon. Vas-y. En travers. Oh, joli. Ah, il s'aime pas, c'est bon. Voilà. Elle passe bien. Là. C'est l'autre châchis qu'il faut viser. Vas-y, 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 vas-y. Bon, il n'y a rien en plus. Hein? Ah non, c'est la terre rouge devant. T'as un frein automatique dessus? Hein? T'as un frein automatique? Non. Normalement, non. Ah bah, plus de batterie. Ah ouais? Oui, ouais. Ou alors? Ah non, pourquoi il a le... Il y a le truc qui bloque. Bah écoute. Voyons, accélère, lâche. Toi? Ah oui, pourquoi il a le frein automatique, lui? Non, non, il a le frein automatique. Ou alors ouais. C'est. Attends, mais c'est bizarre, il accélère à fond. Il me semblait pas que ça le faisait au début. Hein. C'est à fond, là. Ah non, c'est le pignon. Non, c'est le pignon. Vas-y, hein. Ouais. Ah ouais, ouais c'est... Ah, ou c'est le moteur qui a cramé. Mais ça, ou c'est, ou c'est, il s'est mis en. C'était prévu, en fait. Il s'est mis en, peut-être en coupure. Hein. Non, il est pas. Attends, je vais regarder ça. Tac. Tenez, monsieur Baboun. Tiens. Merci, on échange. Alors, oula.
jaillissait des petits sauts quand même là-bas. Ouais, là ça fait un petit saut, si tu le prends bien. Ça j'adore. Ouais. tu vois le châssis, ouais, les jets là, si ouais, tu prends pile dans l'axe, il faut que bien en plein milieu. J'ai pas le châssis qui est qui le. Oh joli. Oh ah bah ouais. Effectivement, il y a un arbre. T'avais raison. Il y a un arbre. Ouais, ouais, il a pris aussi. Et hop. Elles valent tout, celle-là. Je parle de la voiture. Ah, coupure aussi. Ah ouais. Coupure là. Allez. Voilà, et un moteur surpasse. C'est vrai, c'est le moteur. Ouais, mais ça fait en fait la dernière fois que j'ai fait mes essais quand j'étais au château là chez le client. J'ai vu que j'avais le rotor qui avait frotté, tu sais, il y avait, ah oui, quand j'avais rincé la, nettoyé la bagnole, j'ai pas pensé à démonter le moteur de suite, ça avait rouillé dedans. Et le rotor avait frotté, et je me suis dit je vais le rouler jusqu'à qu'il crame. Bah voilà. Et c'est pour ça que j'en ai ramené l'autre. Il fallait qu'il vienne à Montesson pour cramer son moteur. Ouais, c'est ça qui est bon. Bon allez, moi sur ce je vous laisse, et puis on va faire une autre séance derrière. Yes, on va changer le moteur.